Yannick, je te présente. Enfin, j'ai pas tellement besoin. S'il vous plaît, j'ai pas tellement besoin de présenter Yannick Hennel, qui, comme chacun le sait, est écrivain, qui nous a mené ici même il y a 2 ans sur les grands chemins de Georges Bataille et Michel Léris. Il a publié 10 de romans, dont Cercle, Yann Karski et Tiens ferme ta couronne, qui a eu le prix Médicis, et plus récemment Le trésorier payeur. Et il écrit et publie aussi des écrits sur la peinture, notamment La solitude Caravage et récemment Bleu Bacon. Et enfin, il dirige la revue littéraire Aventure chez Gallimard, toute récente, et il est également chroniqueur à Charlie Hebdo. À toi. Merci Olivier. Je voudrais dédier ce texte à 3 personnes, dont une qui vient d'arriver. Je dédie donc ce texte à Pierre Michon, à Olivier Rollin et à Hugues Bachelot. Je remercie également avec gratitude toute l'équipe de Chaminade d'Ours. C'est un bonheur d'être là presque chaque année maintenant. Je ne vais pas vous proposer, comme l'a fait de manière extraordinairement décapante Vincent Delecroix, un portrait d'Ulysse en petit bourgeois. C'était magnifique. Mais moi, je pense tout le contraire. Donc, ce sera un portrait d'Ulysse en initié. Ce sera en quelque sorte une louange nietzschéenne sur la possibilité aujourd'hui de l'émerveillement. Je vous propose donc un texte qui ne relève pas vraiment de l'étude, un petit peu, mais bon, vous verrez, mais plutôt du poétique, de l'expérience poétique. Au chant 11 de l'Odyssée, Ulysse rencontre les morts. Contrairement à ce qui est souvent dit, ce n'est pas une descente aux enfers. Ce n'est même pas une descente du tout, mais bel et bien ce qu'on appelle une nekouia, qui signifie invocation des morts. Ulysse, comme chacun sait, n'arrive pas à rentrer chez lui. Il reçoit alors de la magicienne Circé le conseil d'aller consulter le devin Tirésias à propos de l'avenir de son périple. Comme Tirésias est mort, Circé initie Ulysse au secret d'un rituel dont j'aimerais vous parler, parce qu'à mon sens, il constitue non seulement le cœur de l'Odyssée, mais peut-être de tout récit. J'y vois même la clé invisible, le texte fondateur de la fiction occidentale. Alors je sais bien que l'Odyssée et l'Iliade ne peuvent pas être considérés à proprement parler comme de la littérature. Ils proviennent d'un monde où leurs paroles n'étaient pas contenues dans des livres. Mais moi je lis Homère aujourd'hui, comme je lis Joyce, Proust, Bataille, Borges, Virginia Woolf ou Christina Campo. Je le lis avec cette passion que je mets à faire usage de la littérature dans ma vie même. Lisant Homère, le temps s'ouvre et je vois le feu. La littérature n'invente-t-elle pas une parole où le visible et l'invisible se confondent ? N'ouvre-t-elle pas un passage entre les vivants et les morts ? Ce qui a lieu dans l'épisode de la Nekouia de l'Odyssée inaugure à mes yeux l'espace de la littérature, cette manière profane d'interroger le sacré et de donner voix au silence. Ulysse, qui invoque les morts et qui les écoute, c'est l'éclaireur de la littérature, celui qui s'est sacrifié pour nous montrer le chemin des aventures étranges. Nous avons parlé ici l'année dernière abondamment de Dante, grâce à Mathieu Larnaudy. Eh bien, je prétends que tout Dante vient de cet épisode. La Divine Comédie émane d'un trou creusé dans le réel par où passent les ombres. Autrement dit, elle est faite
de lait, de vin et d'eau. Et à force de relire cet épisode, il me semble que l'Odyssée elle-même trouve dans cette révélation des morts qui parlent son point ardent, sa bascule métaphysique, sa vérité occulte. Sur le conseil de Circé, Ulysse laisse ainsi son navire dériver sans pilote. Il traverse l'océan jusqu'au mystérieux petit promontoire, le bois de Perséphone, avec ses saules aux fruits morts et ses hauts peupliers. Son vaisseau échoue de lui-même sur le rivage des Cimériens. Ce lieu, ce nom de Cimérie, vous les avez sans doute déjà croisés dans Une saison en enfer. J'étais mûr pour le trépas, écrit Rimbaud, et par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la Cimérie, patrie de l'ombre et des tourbillons. Eh bien, Rimbaud vient de là, lui aussi, comme Dante. Il vient de la Nequia d'Ulysse, de cette brèche insensée qui déchire la cohésion du monde. Ulysse se dirige donc vers la maison d'Hadès, à travers le marais, jusqu'à cet endroit où les deux fleuves hurleurs, le Styx et l'Achéron, confluent. Là, selon les ordres de Circé, il creuse avec son glaive une fosse carrée d'une coudée ou presque. Circé a donné à Ulysse la recette pour faire venir les morts. Je vous la répète, car il est toujours bon de prononcer à voix haute de si grands secrets, puis les recettes, ça peut toujours servir. Versez dans une fosse creusée à même la terre les trois libations, c'est-à-dire le lait miellé, le vin doux et l'eau pure, puis répandre sur le trou une farine blanche. En invoquant les morts, il faut leur promettre le sacrifice d'une vache sur un bûcher rempli des plus belles offrandes, puis trancher la gorge d'un bélier noir pour Tirésias, d'un agneau et d'une brebis noire dont le sang sera offert à ceux que Homère appelle les ombres des défunts qui dorment dans la mort. J'aime bien la cuisine du sacrifice, comme disaient Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant. On est à la fois dans les raffinements du massacre et dans la délicatesse des qualificatifs. C'est le grand art d'Homère, celui qui comble en nous le désir contradictoire d'être à la fois sous le charme et de rompre les sortilèges. Le texte que j'ai écrit pour vous et que je vous lis ce matin s'appelle « Le lait, le vin et l'eau », mais il faut y ajouter le sang, car c'est le sang du sacrifice que les morts vont boire pour dire le vrai. S'ils ne boivent pas de sang, ils n'accèdent pas à la parole. Ce ne sont que des fantômes, des âmes vides. François Hartog l'a évoqué hier, Ulysse doit dans un premier temps interdire l'accès de cette flaque tant que Tirésias n'est pas apparu. Si bien qu'il est obligé de tirer le glaive pour éloigner les morts, ces têtes sans force qui sont attirées par le sang fumant. Tirésias apparaît enfin. Il s'approche alentour de la fosse et boit le sang du sacrifice, puis il s'adresse à Ulysse, il lui indique son chemin, comme prévu, et il lui révèle la teneur de l'avenir. Je crois que si Ulysse commence à retrouver sa route après la scène de la Nequia, c'est parce que celle-ci en réalité ne s'arrête jamais. La vie humaine est une Nequia. On ne cesse de sacrifier, c'est-à-dire de dialoguer avec les invisibles. On ne cesse d'invoquer celles et ceux qui ne sont plus là. On ne cesse de s'initier au fait même de vivre. On ne cesse de traverser sa propre mort en faisant face à celle des autres. Hölderlin, le plus grec des poètes allemands, l'a dit à sa manière limpide et catégorique, « La mort est une vie et la vie aussi est une mort ». Rien n'est plus poignant durant cet épisode que le moment où Ulysse, attendant Tirésias qui doit lui parler en premier, car ainsi vont les règles du rituel, voit sa mère, Anticléa, approcher. Il est désespéré de découvrir qu'elle est morte. Lorsqu'elle se penche et lape le sang,
Voici qu'elle dit avec une simplicité qui serre le cœur, « Mon fils, tu vis encore ?» Puis elle lui confie qu'elle n'est pas morte de maladie, mais du dur regret de toi. Comme Ulysse ne revenait plus, c'est le souci de toi, lui dit-elle, c'est, ô mon noble Ulysse, la tendresse même qui m'arracha la vie et la douceur de miel. Je vous le raconte car il faut redire les gestes, prononcer les vieilles paroles, redire l'amour sans cesse, et rien n'est plus déchirant que ce geste que fait Ulysse, cette tentative de geste, serrer entre ses bras sa mère. Trois fois je m'ai lancé, dit-il, tout mon cœur la voulait, trois fois, entre mes mains, ce ne fut plus qu'une ombre ou un songe envolé. L'angoisse me poignait plus avant dans le cœur. Voici qu'Anticléia s'évapore. En un éclair, elle n'est plus là, c'est fini. L'ombre prend sa volée et s'enfuit comme un songe, dit le texte. Homer, ce n'est pas seulement le massacre et la délicatesse, c'est la clarté presque insupportable de l'amour jusque dans la mort. Il n'y a pas de limite à la tendresse. C'est pourquoi la frontière entre la vie et la mort n'existe pas. Ce que j'aime le plus dans l'épisode de la Nekouia, au-delà de la transgression spectaculaire des mondes qu'elle donne à voir, c'est l'invocation elle-même. Invoquer, c'est non seulement appeler, c'est-à-dire donner voix, mais aussi se rendre disponible aux voix. La littérature n'est-elle pas une écoute de la parole ? Elle ouvre le passage, elle relève du sésame. Ulysse, en tant que littérature, fait parler les morts. C'est ainsi qu'il reçoit un savoir sur les mystères et que ce savoir fait de lui un adepte. On peut vivre sans l'invisible, mais l'invisible enferme en lui la mort. Ulysse perce l'énigme, il en est le témoin. L'Odyssée nous raconte ainsi ses secrets, comment il passe d'une grotte à une autre, comment la métamorphose le destine à s'aventurer dans les brèches. Comme l'écrit Barbara Cassin dans son commentaire au poème de Parménide, dans lequel elle a repéré la trace secrète du texte homérique, le voyage d'Ulysse, dit-elle, est un retour de l'initié vers les hommes. Et si Ulysse est un initié, s'il a traversé le mystère et s'est laissé ravir par le rite qui le change en sacrificateur, tout en demeurant, et c'est là l'extraordinaire, le farceur qu'il sera toujours, le filou, le bandit de la narration qui serait capable de mystifier jusqu'à sa propre personne, si Ulysse est devenu un autre, porteur du tout autre en chacun, c'est bien grâce à la Nekouia, laquelle lui prodigue l'expérience fondamentale de pénétrer là où aucun mortel ne va. L'Odyssée est une aventure de l'être. À sa manière bariolée, bigarrée, composite, elle relève d'un acheminement à l'existence. Elle se donne comme endurance complète de ce qu'il en est de vivre. Elle passe en revue toutes les épreuves qui trament la vie d'un être. C'est un roman existentiel complet. Ulysse, je le répète, ne cesse d'être initié au fait même de vivre. N'a-t-il pas refusé l'immortalité que lui propose Calypso ? N'avance-t-il pas sur le chemin zigzagant du voilement et du dévoilement, du scellement et du décellement ? Bref, s'il descend, c'est avant tout en lui-même. Entre mort et parole, un éclair s'illumine, mais il reste impensé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Heidegger. Je répète cette belle phrase du philosophe allemand. Entre mort et parole, un éclair s'illumine, mais il reste impensé. Et bien justement, dans Homère, j'ai l'impression que cet éclair ne reste pas impensé. La Nekouia le déchiffre en le racontant. Mort et parole ne s'opposent plus. L'une et l'autre débordent leurs limites et se mêlent. Les morts ont la parole et la parole s'introduit chez les morts. Avec l'invocation,
les mondes séparés subissent un court-circuit, et grâce à la recette de Circé, on accède à cette révélation stupéfiante. Dans l'Hadès, les âmes, à leur manière fantomale, continuent à vivre. On peut accéder à elles par un sacrifice. Il n'y a pas de cloison hermétique entre la vie et la mort. Ulysse la franchit à loisir, comme il s'introduit facilement dans Troie. En d'autres termes, l'événement de la Nekouia relève d'une expérience de la vérité. Heidegger appellerait cet événement l'Ereignis, mais peu importe Heidegger, peu importe la philosophie, comme le dit plaisamment Barbara Cassin, presque tout le monde kabbalise avec son écrivain préféré. Alors moi aussi, voilà, je kabbalise avec Homère, je kabbalise avec toute la littérature, je joue avec l'Odyssée et avec tous les livres. J'en déchiffre librement les phrases et prends plaisir à les mettre en rapport. J'écoute en souriant le chant plein de fantaisie, le poème excentrique qui sort d'un tel montage. Une nuit de septembre 2020, j'étais dans une situation désespérée et je m'en suis sorti grâce à Homère. Je vais vous raconter ça. Je suivais depuis plusieurs jours le procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Rhys, le directeur de Charlie, m'avait proposé de faire la chronique quotidienne de ce procès. Je passais mes journées au tribunal et le soir, en rentrant chez moi, je racontais ce que j'avais vu et entendu. Les audiences ont tout de suite pris une dimension tragique. Lorsque les survivants sont venus témoigner à la barre et qu'on nous a montré des images sous scellé. D'abord celles des corps assassinés dans la salle de rédaction, puis les images que la caméra de vidéosurveillance avait enregistrées à l'entrée des locaux de Charlie Hebdo. On y voit en noir et blanc les frères Kouachi surgir, cagoule noire, Kalachnikov. On les voit tirer, on voit les corps qui tombent, on entend une voix qui dit « on les a tous tués ». Puis il y a d'autres images que je n'ai pas la force de vous raconter. Je l'ai fait dans un livre, je ne veux pas recommencer, plus jamais. Ce soir-là, alors que je devais, comme tous les autres soirs, rédiger ma chronique, il m'a été impossible d'écrire. Quelque chose comme une taie s'était interposée entre le papier et mes yeux. Tout était sombre et terrifiant, tout était noir et blanc. Je n'avais plus de mots, je n'existais plus. Ce n'est pas vrai cette histoire de page blanche. En fait, elle est noire, disons grise, gris-noir, comme si un encrier s'était répandu sur le visible. C'est en perdant mes moyens que je me suis approché de cette zone, cette nuit-là, où plus rien d'autre n'existe que la mort. J'étais paralysé, mais il fallait absolument que je l'écrive cette chronique. Il fallait que je trouve un moyen. Je ne vais pas vous raconter en détail tout ce qui m'est arrivé cette nuit, je l'ai raconté dans ce récit qui s'appelle Notre solitude, mais sachez que vers 3 heures du matin, j'ai pensé à Kafka. Pas à Homère, mais à Kafka. Kafka qui aimait tellement Ulysse et qui en parle dans son journal. Pour ne pas réveiller ma femme, je suis sorti doucement du lit où de toute façon je ne dormais pas et j'ai éclairé la bibliothèque avec la lampe de mon téléphone. J'ai trouvé le livre de Kafka que je cherchais où il y a ce texte qui s'appelle « Devant la loi » et qui peut-être allait me donner la clé pour me sortir de mon impuissance. Puis je suis descendu sans bruit dans le jardin avec Kafka, suivi du chat. J'avais un chat. Sous mes pieds nus, l'herbe était tendre. Il y avait une lune immense, la nuit était claire. Je me suis allongé et j'ai lu le petit texte de Kafka. Ça m'a réveillé l'esprit, mais ça ne suffisait pas. Pour que ça s'ouvre, il faut entrer un peu dans le sacré. J'ai pensé, je vous jure que c'est vrai. J'ai pensé là à 3 heures du matin, dans mon jardin de banlieue, avec mon chat qui me tournait autour en se demandant ce que je fichais,
et l'angoisse de n'avoir toujours pas écrit cette fichue chronique qui devait être publiée pour 7 heures du matin, dernier délai, j'ai pensé, figurez-vous, que la cloison qui sépare la vie de la mort est aussi mince qu'une aile de papillon, aussi délicate que la peau de nos paupières. Il suffit de quelques gestes pour se glisser dans la nervure. Tous les mythes le racontent. Il faut creuser, il faut verser. Ça m'est venu comme ça. Je pensais à Ulysse, à l'Odyssée. J'ai pensé à la Nekouia. Alors je n'allais quand même pas sacrifier un bélier ou une brebis, là, en pleine nuit dans mon jardin. J'ai regardé en souriant le chat. Il m'observait avec curiosité. Non, pas besoin de sacrifice. On n'en est plus là. D'ailleurs, la recette de Circé parle de simple libation. Alors je suis allé chercher de l'eau, du lait et du vin dans la cuisine. Rhys m'avait dit, il va falloir que tu devines les âmes. Eh bien voilà, pour accéder à l'esprit, pour continuer à avancer dans ce procès, je devais faire ma Nekouia, procéder au rite, m'ouvrir à l'autre pays. Je me suis dirigé vers le figuier, j'ai creusé un petit trou à l'aide d'une cuillère. Le chat s'est approché pour sentir l'odeur de la terre humide. J'ai versé un peu d'eau, du lait, quelques gouttes de vin. Et avant que le mélange ne soit entièrement absorbé par la terre, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai déchiré la page de Kafka en petits morceaux et les ai trempés dans le cratère. Puis j'en ai fait une boule que j'ai portée à ma bouche. J'ai regardé la lune en mastiquant cette boule de papier. C'était compliqué d'avaler une telle pâte. J'ai pris une rasade de vin au goulot. Et le texte de Kafka a glissé tout seul. C'est ainsi que j'ai avalé la parabole de la loi. Le reste va vite, je suis rentré, j'ai allumé mon ordinateur, les morts étaient là, surgis de la lumière blanche de la page. Ils étincelaient dans la nuit pour que je témoigne de leur présence. C'était tout le contraire de l'horreur que j'avais vu prendre corps à travers les images du crime. Les morts n'étaient pas séparés des vivants, et à travers leur rencontre s'ouvrait ce pays de la vérité qui est le vrai mystère et auquel le mal lui-même ne peut pas accéder. Celles et ceux qui ont perdu un être cher le savent. La pensée qui nous mène jusqu'aux morts est l'autre nom de l'amour. J'ai écrit le texte. Vous allez me dire, il se prend pour Ulysse celui-là, mais ce n'est qu'une petite comédie dont j'ai l'usage comme nous en avons tous l'usage. Il n'est pas rare qu'on s'identifie à Ulysse, c'est un héros assez commode pour ça, mais cela ne signifie évidemment pas qu'on se mesure à lui. Ma Nekouia n'était qu'un bricolage, une petite extravagance qui a bien fonctionné, mais dont j'avais surtout besoin. Ce que j'aime dans la littérature, c'est l'usage qu'on en a. Homère m'a secouru, Kafka continue à germer en moi. Vous voyez, contrairement à ce qu'on dit, la littérature est utile. Quand on est à bout de force, c'est elle qui vous sauve. Je reviens à l'Odyssée. Il y a du monde chez les morts, et vous savez que durant cet épisode, Ulysse rencontre non seulement Tirésias et sa mère, mais aussi ses anciens compagnons d'armes comme Agamemnon ou Achille. Il y a d'autres grands personnages aux enfers, Minos, Orion, Sisyphe. Ulysse ne fait que les apercevoir. Il y a aussi Héraclès, avec qui il dialogue. Et plus curieusement, ce qu'une certaine tradition, initiée par Victor Bérard, je crois, a appelé le catalogue des dames du temps jadis. Ce sont des reines, des princesses. Il y a Tyro, Antiope, Alcmène, Mégarée, Chloris, la plus belle des femmes, dit le texte, Léda, Phèdre, Ariane, d'autres encore. À ce propos, Thomas Brown, un écrivain anglais du XVIIe siècle, à la fois poète et savant, que j'affectionne particulièrement, pose une question intéressante dans un merveilleux petit livre intitulé « Les urnes funéraires ». Et moi-même, je la pose aujourd'hui à ce parterre de philologues éminents dont je bois les paroles depuis 2 jours. Voici la question. Pourquoi les ombres féminines
apparaissent-elles à Ulysse avant les héros et les esprits masculins ? Ce passage est en effet très mystérieux. « Je les fis parler toutes, » dit Ulysse à propos de ses femmes, « mais sa vie entière n'aurait pas suffi à les écouter. » Et Perséphone disperse assez vite la horde des femmes dans un sifflement de chauve-souris. Certes, Ulysse en sait beaucoup sur le monde, et en particulier sur les femmes, pour avoir connu intimement Calypso et Circé, peut-être même Hélène, à ce qui paraît. Mais il lui est impossible de tout entendre de ces femmes enfermées chez Hadès. Le grand écrivain italien Roberto Calasso, dans Les Noces de Cadmos et Harmonie, ce merveilleux livre qui redéplie l'histoire des fables grecques, fait l'hypothèse que si Ulysse avait pu écouter pendant un temps infini, une à une, ces voix de femmes, il aurait su ce qu'aucun homme ne savait. Voilà un nouveau secret. Voilà qui aiguise encore plus mon désir de lire et de déchiffrer les énigmes blotties dans les champs d'Homère. Ulysse, familier de l'inconnaissable, n'aurait donc pas accès à ce savoir complet qui serait de nature féminine. Je note que dans l'épisode qui suit, où Ulysse encore une fois s'ébroue dans l'écoute, où il est question de voix et de leur charme ensorcelant, les sirènes affirment « Nous savons tout ce qui peut advenir sur la terre nourricière. » Alors, le savoir absolu des sirènes l'emporte-t-il sur celui d'Ulysse, à qui la Nekouia a pourtant accordé l'accès à l'inconnaissable ? En lisant Homère, je me pose des questions. Je plonge dans les abîmes du texte, mais surtout je ne cesse de ressentir un plaisir inouï, et plus qu'un plaisir, une jouissance. Il y a quelque chose d'inconnu, d'obscur dans la jouissance qui la délivre de toutes les notions. Et c'est peut-être l'un des mystères que Ulysse a reçu en partage de la voix des mortes. Nous qui sommes coupés de cette voix, nous avons inventé un subterfuge, un cheval de phrases qu'on pousse dans le monde et qui est la littérature. Nous imaginons ce que ces reines et ces princesses voulaient dire à Ulysse et cela donne des romans. Je crois que le monologue de Molly Bloom à la fin d'Ulysse de Joyce est une réponse à la voix inaudible des femmes mortes de l'Odyssée. Maintenant, je vais vous dire ce que j'aime. On devrait toujours commencer par faire ça, préciser notre amour. La précision est une forme d'éthique. Être précis, c'est le grand art. Alors moi, ce que j'aime, ce sont les détails. Divins détails, disait Nabokov. Chez Homère, c'est par exemple cette fontaine aux portes de Troie où se trouve, dit l'Iliade, de larges lavoirs et qui, au milieu de la destruction, devient l'objet de regrets poignants. C'est la balle qui, chez les Phéaciens, roule vers Ulysse endormi dans les buissons et tombe au trou d'une cascade, tandis que les jeunes compagnes de Nausicaa s'ébrouent de joie. C'est dans la même scène, tout illuminé de feux clairs, le linge moiré qui sèche au soleil. Et là aussi, nous sommes près des lavoirs, et le monde est fluide, liquide, comme la poésie elle-même. On prend le bain et l'on se frotte d'huile fine. Entre Ulysse réveillé et la belle Nausicaa, tout glisse, tout s'écoule dans la lumière, comme des noces sensorielles. Ce que j'aime, c'est aussi le trésor d'Ithaque, niché sous la terre du palais, dont Pénélope possède la belle clé de bronze à la poignée d'ivoire, qu'elle fait tourner dans la porte, et celle-ci, souvenez-vous, se met à mugir amoureusement comme un taureau pâturant dans les prés, dit le texte. Des parfums d'ambre s'élèvent des coffres. Pénélope cherche l'arc et les flèches qu'Ulysse a entreposées avec ses joyaux et son or, son bronze et ses fers travaillés. Elle alla tout au fond du trésor, dit le texte. Et cette phrase me donne un doux vertige. C'est aussi la charisse dont nous a parlé Manon Brouillet, c'est-à-dire la grâce qui réjouit.
quand on chante les détails d'un texte, on ressent cette grâce. On la reçoit comme un bienfait. Elle fait à la fois crépiter le texte et celui qui le lit, à l'égal de la sprezzatura dont parle abondamment la poétesse italienne Cristina Campo. Et parfois, il me semble que la littérature est une réserve enchantée de détails qui comblent, une arche de nuances, une provision de charisme, un catalogue des choses aimées. Je continue. J'aime que dans l'Iliade, Anténor dise d'Ulysse que lorsqu'il parle, ses mots tombent pareils aux flocons de neige en hiver. J'aime qu'Hélène, pendant que les hommes combattent autour de Troie, tisse comme Pénélope une large pièce, un manteau doublé de pourpre, sur lequel, dit Homère, elle trace les épreuves des Troyens dompteurs de cavale et des Achéens à côte de bronze. D'ailleurs, j'aime énormément ces mots dans la traduction de Paul Mazon, que je vous répète pour le plaisir, les Troyens dompteurs de cavale et les Achéens à côte de bronze. J'aime la rosée qui couvre les champs d'Ilion avant les carnages du jour, et le jardin de vigne où Ulysse retrouve son père Laërte à la fin de l'Odyssée. Et plus que tout, j'aime cette invocation d'Ulysse à sa déesse préférée, à son hirondelle. Pour une fois encore, aime-moi, Athéna, le plus possible. Il n'y a pas de doute, la littérature est la seule région de la noblesse, comme l'a dit de manière inattendue Roland Barthes. Est-ce parce que je suis un romancier, un narrateur insatiable, un ami du jouir d'amour dont Claude Calam nous a parlé hier, que je vais jusqu'à imaginer ce qu'Homère ne raconte pas? Oui, j'aime imaginer. Par exemple, le nectar sexuel de la voix d'Hélène lorsqu'elle frôle le cheval de bois qui a été traîné sous les murs de Troie sur ses roues, et qu'ayant deviné la présence des Achéens, elle contrefait la voix de chaque femme des guerriers pour appeler et piéger chacun d'eux, avec cette suavité démoniaque qui la rend effrayante et irrésistible. Ou alors j'aime imaginer la vie qu'a menée Ulysse auprès de Calypso durant 7 ans. Une vie scintillante d'érotisme et de chagrin. Un approfondissement mélancolique de l'attrait pour une femme qui se cache, un temps au-delà de la vie et de la mort peut-être, où l'on glisse en soi-même et l'on boit et l'on joue au dé. Faire l'amour renouvelle chaque jour, chaque nuit, plusieurs fois par jour et plusieurs fois par nuit, cette sensation que notre vie glisse vers un horizon nocturne, éteint, être mort. Je vois le sol recouvert de violettes et de céleri. Et tout autour de la caverne, au-dessus des rochers, il y a des aulnes et des cyprès, des peupliers noirs, tous les arbres des morts. Calypso, la déesse solitaire, dont le nom signifie celle qui occulte, ne bouge presque pas. Je la vois qui sert à boire à Ulysse. Elle est celle qui verse. En versant, elle accompagne interminablement le temps. Les libations n'ont pas de fin. C'est le sens de tout récit. Le liquide doit couler pour que toute chose soit. Les phrases elles-mêmes s'accordent à ce glissement, comme à la soie des foulards de Calypso. Ulysse a sûrement reconnu en cette femme celle qui, en ouvrant ses bras nus et en offrant sa poitrine gracieuse, nous accueille dans l'antichambre du royaume des morts. Il a aimé les conversations avec elle et le soir qui se change en nuit sans fin. Il a aimé boire et faire l'amour. Un jour, et là c'est Ovide qui le raconte dans L'Art d'aimer, car le texte homérique se déborde lui-même et vient germer dans les phrases de tous les livres. Un jour, Ulysse, accroupi sur la plage,
a commencé à raconter à Calypso la guerre de Troie. Avec un petit bout de bois, il dessine sur le sable les campements et les positions, et les vagues viennent effacer ces signes. Alors tout se mélange, et ce que raconte Ovide appelle d'autres textes, d'autres récits, d'autres poèmes, une nouvelle de Borges intitulée « L'immortel », puis un petit essai de Simone Veil sur la force et l'âme chez Homère, un poème de Cavafy, une phrase de Beckett qui dit « Revenir est long, je ne sais pas d'où », puis les cantos d'Ezra Pound où se réécrivent les aventures d'Ulysse le marin et où l'on peut lire « Seul demeure ce que tu aimes », et d'autres livres, d'autres récits, d'autres poèmes encore, car il est clair que tous ne sont que des souvenirs d'Homère, des variations qui ne s'arrêteront jamais. J'ai soudain une pensée pour Borges. Il aurait adoré ces rencontres et rêvé de voir dans une ville de la Creuse se ranimer l'ombre des Achéens et des Troyens que nous ne cessons d'invoquer depuis jeudi avec du lait, de l'eau et surtout du vin. Quand on commence à lire Homère, toute la bibliothèque se met en marche, comme la forêt dans Shakespeare. Et c'est une joie que de faire crépiter les noms des auteurs qui reviennent, comme un art de mémoire, et de passer de l'un à l'autre, d'ouvrir les livres, de les invoquer, de les faire se répondre comme une polyphonie de jouissance continuelle. J'ai écrit ce texte dans ce même jardin de banlieue parisienne, où à travers Homère comme Ulysse, j'ai invoqué les morts de Charlie Hebdo et de l'hypercachère en septembre 2020, il y a juste 4 ans. Et tandis que dans ma chambre d'hôtel à Guéret, je tape au propre, comme cette nuit, les notes que j'ai prises dans des carnets ces derniers mois, les piles de livres autour de mon lit s'enchantent. Roberto Calasso, Martin Heidegger, Barbara Cassin, Frédéric Nietzsche, Philippe Solers, Pierre Michon, Walter Burkert, Simone Veil, Dante, Franz Kafka, Thomas Brown et Olivier Rollin. Les livres versent à leur tour leur libation dans mes phrases. Et voici qu'à l'image de ces oiseaux bleus que j'ai vus cet été voleter en peinture au-dessus d'une barque de pêcheurs dans une tombe étrusque à Tarquinia, les esprits d'Ulysse, de Circé, de Nausicaa et de Calypso tournent autour de ma tête. Il y a aussi Achille, Hélène, Agamemnon, d'autres encore. Il y a tous les esprits qui sont dans Homère. Il y a l'aventure de Troie et d'Ithaque, celle des combats et des amours, l'aventure d'aimer et celle de tuer, l'aventure de lire et de déchiffrer avec passion ce qui nous vient du temps.